Ces bottes-là étaient là le soir de la première, et ils ont été là tout le long, et ils sont là le soir de la dernière. Ça a l'air de rien, mais c'est des petites choses comme ça qui sont quand même touchantes. Ce soir, j'avoue que ça me rappelle des souvenirs. Ça va me manquer beaucoup, honnêtement. J'ai encore de la misère à m'imaginer la fin. Je peux comprendre, c'est 38 ans. C'est votre vie. C'est comme vieillir d'un coup. C'est comme pouf! Mais, excusez-moi, là. Il fait dire que j'aime pas votre face! Mais pourquoi t'aimes pas tes gants dehors aussi, là? Ah, ben ça, c'est parce qu'il y en a qui veulent m'évoler. On jouait dans Cyrano de Bergerac, on avait des petits rôles. Puis un matin, dans l'auto, Marcel, Marc et moi, on se dit, avant qu'on joue Cyrano, ça va être trop long, là. C'est pas avec trois répliques qu'ils vont repérer qu'on a du talent. Faut faire quelque chose. On a fondé notre compagnie. On a fait trois shows avant Brou. Notre quatrième show, c'est Brou. Mais si on n'a pas fait les trois premiers, il n'y a pas de Brou non plus. On a commencé dans une petite salle de 60 personnes, un petit théâtre qu'on avait aménagé pour se ramasser quelques années plus tard à l'Opéra, mettons l'Opéra à Ottawa, où il y a 2000 personnes. Et le spectacle fonctionnait aussi bien. C'est difficile à expliquer, c'est une chance incroyable. Ah oui, écoute, m'a dit une affaire, moi, mais c'est de toute beauté voir ça. Ce qui m'émeut, c'est que j'ai pensé à ça après le spectacle. C'est la première fois qu'on va dire « j'étais dans Brou ». C'est spécial. Mais c'est ça. J'étais dans Brou. Regarde, on pourrait écrire « Gars ». Cher petit minou, c'est... Je pense souvent à mon père, qui a travaillé 35 ans dans une usine. Puis ça a été ça, sa vie professionnelle, finalement, jusqu'à la retraite, ça l'a mené. 35 ans dans une usine, mais moi, ma vie professionnelle, ça a été, entre autres choses, Brou, 38 ans de Brou. Tu sais, c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Vous nous faites du bien, dites-vous bien que de l'autre côté, c'était la même chose aussi. » Ça nous a fait vivre des grands moments et pour ça, je vous embrasse un après l'autre. Ça durera le mois, c'est fou. Mes camarades, mes grands chums, mes vieux chums, ben, j'aurais pas voulu faire ça avec deux autres personnes que ces deux gars-là qui sont mes grands chums. J'oserais dire mes frères. Vous ne pouvez pas vous imaginer le privilège que ça aurait été de vous faire rire. J'ai adoré ça. Ça va me manquer. Maintenant, on va aller fêter. Il paraît qu'il va y avoir de l'alcool. Mais parce qu'il n'y a rien de parfait, hein? Il y a de la broue? Joël, un petit peu de la broue un peu là-dessus. Thank you.